Alors, je rigole déjà! Alors, Fifou, qu'est-ce que tu as fait? Oh, Fifou! Alors, toi, tu n'as pas de sous, hop, tu n'as pas la caisse d'épargne, hop, l'argent dépensé. Allez, 600 000! 600 000 euros! C'est pas toi qui avais dit je suis honnête comme l'honnêteté! À côté du mot honnêteté dans le dictionnaire, il y a ma photo! J'aime la France! Oh, Fifou! 600 000 euros d'argent public détourné! Aladdin, François Fillon, le prince des voleurs! C'est pas possible! Le mec, c'est Robin des Bois inversé! Il vole les impôts des pauvres pour donner aux riches! Oh, j'en peux plus, c'est incroyable! C'est totalement surnaturel! En plus, moi, au début, je me suis dit fifou! Mais je croyais qu'il avait pas de sous! Je croyais qu'il avait pas de sous! Je me suis dit le pauvre! Et en fait, t'en as! Alors, épile-toi les sourcils, putain, mais on dirait Monstre et Compagnie, on dirait! Au début, je croyais que c'était des lianes. Je suis sûr que tu regardes de près, à Tarzan, ils se balancent dans tes sourcils. Ah, c'est pas vrai, on dirait qu'ils ont pris la moustache à Freddie Mercury, ils te l'ont mis là. Pour éponger la dette publique, c'est facile. Je te mets dessus, tu l'éponges avec tes sourcils. Moi, j'ai pas compris. Je dis ça parce que tu es méprisant. Sinon, j'attaque pas sur le physique. Alors moi, je comprends pas. Parce qu'ils avaient dit à la télé, ils avaient dit, s'il n'y a pas de sous en France, c'est à cause des Noirs, des Arabes et des jeunes et des chômeurs. Alors peut-être ils avaient dit c'est à cause des Noirs. Salut, je m'appelle Bandele, Bandele Café, et moi mon but dans la vie, pourquoi je suis venu en France, c'est danser le dombolo en touchant les allocations. Comme ça je danse. Anenola, les allocations, anenio, ça mais c'est ma passion. Ou alors les Arabes. Salut, je m'appelle Jean-Claude Amsafaenek. Moi j'ai un truc que j'ai envie de faire dans la vie, c'est faire du couscous, écouter notre soleil. Comme ça je suis chez moi. Yaraya les allocations. Et on mange des raviolis avec l'argent des allocations. Voilà, c'est tout ce que je fais dans ma journée. Sinon, il y a aussi des jeunes. Ouais, salut. Mais moi, j'adore être au RMI. Moi, je trouve ça génial. Des fois, à la fin du mois, tellement j'ai pas d'argent, je fais comme dans Peter Pan. Je fais semblant de manger. Ah, tiens, tu veux du champagne? Glou, glou, il n'y a rien. Voilà. Peut-être c'était à cause d'eux. Eh ben, en fait, non. C'était toi. Parce que tu as donné 600 000 euros à ta meuf. Hein, pour un travail qui n'existe pas. Et tu as dit, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, oui, il y en a marre de l'assistanat, gna 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 gna. Alors, je vais t'expliquer. Je vais te parler, par exemple, de Jacqueline. Jacqueline, elle est caissière à casino. Tous les jours, les clients lui crachent à la gueule. Pff, tiens, tes spice. Pff, hein? Le patron aussi, tiens, pff, salope. Va faire la caisse. Elle est méprisée, elle est traitée comme de la merde. Elle a des avantages aussi. Elle a droit à un jeton gratuit et 2 centimes d'euros sur les pamplemousses. C'est génial. Hein? Elle est payée 900 euros par mois. Et tous les jours, on voit son patron. Son patron, il se balade. Il est orange de bronzage. Et oui, parce que lui, il est riche. Lui, il est plein d'argent. Hein? Lui, par exemple, hein, il a des draps en fumée. Hein? Le problème, c'est pas qu'il ait de l'argent, parce que ça, il n'y a pas de problème. C'est qu'à elle, il lui en donne pas. Donc, si les gens, ils étaient payés proportionnellement à ce que le patron la gagne, mais personne n'aura envie de filouter, personne n'aura envie de faire n'importe quoi. Tu as dit, les Français, il faut qu'ils se serrent la ceinture. Mais toi, tu peux te la serrer, c'est le Versace, la ceinture, c'est le Dolce Gabbana. C'est exactement pareil de dire aux gens de se serrer la ceinture quand on est soi-même un voleur. C'est exactement que pareil que les pochetrons de PMU qui boivent 36 pastis par jour dès qu'ils voient un jeune qui fume un jouet. Toxico! Allez, resserre-moi une jet avec de l'absinthe. C'est l'heure du déjeuner. C'est pas possible. Tu es aussi vrai que la figure des Bogdanov. C'est exactement pareil que ces prêtres ou tout ça ou les religieux qui disent ouais, le sexe c'est caca, boudin, ah, va des rétro. Et après le soir, ils vont sur bonne soeur en chaleur.com. C'est pas possible. Mais quand je te vois, j'ai envie de vomir. C'est comme quand tu es dans ce manège où tu as l'athlète à 18 mètres du sol et tu as la meuf, elle fait « Et attention, c'est reparti! Est-ce que vous en voulez encore? Puissance maximale! 400 km/h en 800 secondes !» Pareil, j'ai envie de dégueuler exactement pareil. Alors, c'est pas possible. Moi, je vais te dire où il est, l'argent. Moi, je vais te le dire. L'argent, il est dans toutes vos conneries, dans les emplois fictifs, il est dans tes ministres qui servent à rien, hein, ministre des poils de couilles, ministre député du ping-pong. Voilà où il est l'argent. 400 000 euros cette année pour les vœux de bonne année. Mais tu m'as envoyé SMS, espèce de connard, c'était pareil. Et après, l'argent, tu le retransmettais. Je comprends pas. Alors, surtout la team, ne vous laissez plus abuser par ces gens. Parce que, comme on dit souvent, trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi deux fois, honte à moi. Alors attention, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Bon,
Moi, j'ai envie, pour les hommes politiques, à la présomption d'innocence, j'ai envie d'inventer la présomption de culpabilité. C'est peut-être ses collègues qui lui ont fait un coup. Mais de toute façon, ils nagent tous dans ces grosses magouilles. Tous. Alors moi, François, j'ai envie de te dire, c'est bizarre, parce qu'il y a deux ailes à Fillon. Moi, j'aurais mis qu'un seul aile, parce que moi, j'ai l'impression que tu as trouvé le bon filon. Et tu nous l'as mis comme ça, tu vois. Alors la team, avant de vous quitter, je vous mets un lien en dessous. Le lien d'une association qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle Sans Abri dans le Besoin, qui recherche des bénévoles, qui fait une cagnotte actuellement où on a la possibilité d'inviter des SDF au restaurant. François, je te le propose. Hein, voilà. Donc c'est très très important, vous avez le lien en dessous. Et surtout, signez en dessous une pétition. François, rends-nous l'argent. Hashtag François, rends-nous l'argent. 600 000 euros pour les Français, c'est gentil. Et Pénélope, ta femme, on te fait des bisous. Voilà, allez, ciao la team.